Mon nom, c'est Nabé Ismaël, conseiller du Premier ministre chargé des investissements, des partenariats publics-privés et des partenariats avec l'Asie. Donc, mon rôle consiste principalement à conseiller Monsieur le Premier ministre sur les partenariats avec l'Asie, mais aussi des investissements et des PPP. Aujourd'hui, nous avons passé deux projets de décret conjoint dans le conseil de cabinet avec le ministère des investissements et des partenariats publics-privés, mais aussi avec le ministère de l'économie et des finances sur la loi des PPP 2017, qui consiste à aider la Guinée à être dans le concert des nations des PPP. Avec l'avènement de la COVID-19, très malheureusement, donc les investissements se font rares. Donc il est opportun pour la Guinée de faire passer ces projets de décret pour permettre des investissements aussi grands et ambitieux dans le domaine des PPP, parce que les privés vont venir investir dans notre pays, pour que ça donne un cadre juridique au ministère de l'Investissement et des PPP, pour nous permettre de négocier avec les partenaires privés pour que la Guinée bénéficie du caractère PPP. D'ores et déjà, il a été demandé que nos investissements soient à hauteur de 14,8 milliards dans les projets PPP investissement. Sans ces projets de décret, il sera très difficile d'aboutir à ce résultat.